Attends, ça gratte. Et rebonjour, bonsoir YouTube, Cyberpunk la suite. On continue, bon, on a papillonné un petit peu là pendant un petit moment, le temps de dérouiller quelques gangs locaux. On s'est fait moult pognon, on s'est fait quelques frayeurs aussi. Et on a expérimenté ce que ça donnait d'avoir 2 étoiles sur Cyberpunk. Tu vas juste dans le pâté de maison à côté et c'est bon, t'as plus d'étoiles du tout. Ah, les flics ici, c'est pas comme dans GTA visiblement. Bon, en attendant, la bonne vôtre. Hop, donc, on était censé rejoindre Takimura, je me suis rapproché. Qu'est-ce que... Bon, d'accord. Par contre, le message administrateur du Media Building H10. L'administrateur du Media Building H10 vous informe que votre véhicule est à votre disposition dans le parking. Nous souhaitons une bonne journée. Hein? Comment ça, j'ai un véhicule à disposition dans le parking? Mais quel véhicule? Je comprends plus rien. Attends. Media Building H10, on est bien d'accord que c'est là où je crèche. Et du coup, j'ai ma bagnole. Mais... à quel moment? Attendez, ça me trigger, faut aller voir. Je comprends plus rien. Comment ça ma bagnole? Je suis allé voir l'autre coup, il y avait... Oh là, 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 mais ça va pas se passer comme ça. Il va falloir arrêter ça tout de suite les gars là. Oh mais ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Taisez-vous. Vite, on loot avant que tout le peuple vienne me faire chier. Mais c'est bon. Non, 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 non. Je veux pas de ça, moi. Nom de Dieu. Pas de ça ici, hein. On crée plus que ça, non mais oh. Hop, merci. Voilà. Ah. Des bisous. Ah mais ça suffit, oui. Ah, oh là, qu'est-ce qui se passe avec le chemin là? Ah, c'est au-dessus? Merde! On est passé par en haut, zut. Attendez. On y retourne. Hop là. Hein? Oui? Allô? Ah! Couteau ensanglanté. Non, ça m'intéresse pas. Je vous le laisse. Hein. Ah non, pas ici peut-être? D'accord. Il saute par-dessus la rambarde, bordel de merde. Je vais te cogner dans le plafond. Cours. Ascenseur. Entrée, maintenance. Non mais parking. Parking, voiture. C'est où le parking dans votre immeuble? Où est le parking, bordel? Ah, pas du tout, c'est verrouillé. Où est le parking ici? Je peux aller à la maintenance. Non, 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 non. Ah. Ah oui, alors ça doit être quelque part par là, mais du coup je peux pas ressortir. Je peux même pas rentrer. Bon, visiblement c'est pas par là non plus. Mais chiotte, comment est-ce qu'on rentre dans le parking ici? Oh, mais quel enfer. Parce que le numéro 1, là, accueil, c'est là où on est, l'entrée. Ah, c'est là où on est. Donc non, ça m'intéresse pas. Oh. Comment je vais pour aller chercher ma voiture? Ah bah attendez, c'est le matin dans le parking, remarque. Peut-être que... Peut-être que... Mais non, j'ai pas de voiture. Mais qu'est-ce qu'il me dit que ma voiture va attendre dans le parking? Putain, mais je comprends rien, au secours. Oh là, tant pis. Bon, tant pis. Tant pis pour la bagnole. Allons-y à pied. Allez. Alors, où est Takimura? Takimura. Ah bah ça va, il se met bien lui. Salut. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en point. On va peut-être pas tarder. En fait, dans la voiture. Je ne pensais pas que tu survivrais. Bon, tu veux quoi, là? Ah oui, non.
Bon, non, vas-y, vas-y, direct. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn? Pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Bon, sympa. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce? Elle est soutenue par une corporation? J'en sais rien. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse, mais elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpos. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Allez hop. Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre. Vais, attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka. Yorinobu. Doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Et toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'une merc? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Ils me traquent. Ah, pour un fugitif, ça va, te placer là en plein milieu d'un resto, au milieu des grandes allées passantes, ça va, t'as l'air de plutôt bien le vivre, ton côté fugitif, quoi. V. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka, et on annonce que Yorinobu est un meurtrier? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non, merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourante. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Mmh. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Kotirakoso. Alors, Hanako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Pourquoi est-ce qu'on regarde une télé en 15 FPS? Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Mais... Hey! J'étais en train d'écouter! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Heureusement que ta copine est plus futée que toi. Il t'aurait démonté la gueule, ouais. Fais donc pas le malin. On a vu le petit Takemura, là. Il faut pas le chercher, là, je pense, là. Tom est pas méchant. Il a tendance à dire ce qu'il pense, c'est tout. Il me rappelle un peu mon père. Lui aussi a passé sa vie dans une cuisine. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Ah, mais c'est pas permis par le jeu, ça. La ville ? Pourquoi faire ? J'ai besoin d'aide et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka,
personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. L'ingénieur de la relique est le mieux placé où je vais tenter ma chance avec Evelyn Parker. Bon, on va tenter Evelyn, hein, on la connaît. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka, hein ? Voilà. Cette femme, Parka, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Eh ben, il y a l'ingénieur toujours, hein. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue? Il s'est... volatilisé. Okay. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporas parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'After Life. On connaît bien ce club. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixas, Rogue. Tu veux dire que t'as bossé pour Saburo, mais que t'as pas la moindre idée de comment t'adresser aux puissants? Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme accusé du meurtre de Saburo Arasaka. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Sympa. On va bien s'entendre. On est fait pour s'entendre. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Ok. C'est lui, Scanner Joestar. Ça roule. Oh putain. Crasse et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé. D'abord, t'essayes de me buter et maintenant, tu veux qu'on soit potes? Genre, tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con. On va bien. Eh, c'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. Ouais, d'accord. Il a un petit peu changé son fusil d'épaule, lui, quand même, là. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus, j'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Ok. Y a pas de nous. Oh la vache. Eh, ça c'est quand même particulier, hein. Va falloir compiler avec la présence de ce type là, ouf. Quand même chelou, hein. Bon. Un pet Julie facultatif, hein. Bon, ça coûte rien. C'est toi? Eh bah, moi qui te croyais morte.
Ça va, ça va. Se porte bien. Écoute, je dois trouver Evelyn. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Ah. Est-ce que tu sais où elle est? T'es sourde ou quoi? Laisse tomber. Je le répéterai pas. On peut se voir? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lidzis? Ouf. D'accord. Je viens de se faire renvoyer chier, là, je crois. Du coup, ça serait peut-être bien que je puisse... Alors, attends, c'est quoi cette histoire? Faut que tu montes pour redescendre par un autre ascenseur. Pour que je puisse accéder à ma caisse, il fallait que je fasse ça, en fait. D'accord. Attends. On va retourner à l'appart... Mais merde, j'ai enlevé le marqueur. Hop. On va retourner à l'appart vite fait. Alors, attends, faut que je prenne un autre ascenseur. Allez, cours. C'est bon, ça commence pas à mitrailler par ici? Non, ça va. Vite, je me fasse tailler un scalp par une caisse. Alors, fallait que je monte. Ouais, mais là, il m'emmène à la maintenance. C'est pas le bon endroit, la maintenance, si? Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Salut, School. Ça roule. Ça roule très bien, même j'ai eu l'intégralité de la bannière Noël. Attention, les enfants, on n'est pas sur BBS, là. Mes félicitations en attendant. Alors, Biodyne. Ah non, c'est Cyberdyne. C'est Cyberdyne dans Terminator. Masada Studio, lol. Alors attends, faut que je passe par où alors du coup là? Parce que je suis pas sûr de bien comprendre où, où je suis censé passer. Pour que je prenne un autre ascenseur. Mais qui voilà? Salut. Ah ouais. Carrément quoi. Et la batte légendaire. D'accord. J'ai pas de la merde que je peux trop refourguer là, si. Tiens. Ah, parfait. Tiens. Cadeau, 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 cadeau. Hop. Une cliente satisfaite, j'espère. Non, je vide les poubelles chez toi, t'inquiète, c'est juste ça. Alors, où est l'autre ascenseur du coup pour que je puisse rejoindre le parking? Je suis pas sûr de bien comprendre là. Toi, tu vends quoi? Ah ouais, d'accord. Quand même joli. Qu'est-ce qu'on a là? Augmente les dégâts de 7. Chance d'infliger un coup critique. La vitesse des attaques. Et les dégâts des crits. D'accord, ils vendent tout le temps la même chose en fait quoi. Mais attends, c'est genre c'est un choix au niveau de l'ascenseur? Maintenance, entrée. Non, pas du tout. Attends, dans ton journal de quête, tu peux mettre un marqueur pour suivre aller au garage. Ah bon? Journal de quête. Contrat. Petit boulot du NCPD. Véhicule. Ouais. Courant dangereux. Petit boulot du NCPD, machin bidule, blablabla. Ghost Town Automatic Love. Human Nature. Récupérez votre véhicule dans le parking. Ah, d'accord. Ok, ok, yes, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, merci beaucoup. Ah merci, super. J'avais pas vu, j'avais l'objectif, ah très bien. Royal. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'habite au-dessus. Bah, retourne là-haut et mêle-toi de tes oignons. Mendez, attends, c'est une voisine. Est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous connaissez Barry? Vite fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et on a peur qu'il fasse une bêtise. Oh, ça sent la mission secondaire, ça. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une vieille teigne. Mendez! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé? Ouais, pourquoi pas. Je suis juste à côté. Merci et soyez patiente avec lui. Les anciens flics sont du genre susceptibles. Je verrai ce que je peux faire. Ok. Bon, très bien. Sinon... Hey, regarde ça. Hein?
Hey, vise un peu ça. Tu le vois aussi, non? Soit mes fusibles ont grillé, soit je vis un moment mystique. Comment elle s'appelle? Tu sais, la nana avec les cheveux. Misty? Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. Quoi? Mais pourquoi il me... Mais non mais putain... Je suis le mauvais marqueur depuis... Mais... Hein? Attends, je vais là? Ah non, c'est au fond du couloir, d'accord. Ah d'accord, il y a l'ascenseur qui est juste là, très bien. Appartement, garage. Ok, tout va bien. Je suis curieux de savoir à quoi va ressembler la version PS4 FAT quand tous les gros correctifs seront faits sur la plateforme. Ça hélas, seule l'attente, la patience nous le dirons. Et c'est des projects. Ça suffit. Alors attends, est-ce que je vais récupérer du coup, je vais récupérer la bagnole qu'on avait achetée avec, avec Jackie? Mais oui! On récupère notre bonne vieille caisse. Moult taxi. Mais notre bagnole. Mais lui! Comment? Quoi? Johnny, t'as vu ce qui s'est passé? Y a un truc qui va pas. Sans blague. Je parle pas de l'accident, mais de la fuite. Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville se tire comme ça après un accident? Le tu te grosse pute, j'étais pas prêt. Hein. De la part de Delamain, c'était quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et du coup, il m'a flingué. Mais attends, mais c'était scripté ça? Putain, l'état de la caisse! Veuillez accepter nos excuses les plus sincères. Je vous invite à vous rendre au siège de l'entreprise afin d'évaluer les dégâts subis. De décider du montant de votre dédommagement. Mais vous croyez que j'ai que ça à foutre? Oh, comme il me l'a aplati ma bagnole! Mais. Tu te grosse pute quoi! Attends, plus grand des calmes! Ok, hein, non, mais pourquoi pas? Mais où ton QG de la main de ses morts? Tant de QG de la main, bah oui, mais où ça? C'est au-dessus? C'est où? On prend que dalle! Ah, s'il y a quelqu'un qui a clippé ce moment incroyable, n'hésitez pas. Hein. Balancez-le. Hein. Ah, tu jettes de la main à 1,4 km, vous vous foutez de mon fion, quoi. Ah, non, mais. Quand tu, surtout quand tu te rappelles que le taxi de la main, c'est une IA. Incroyable. Bien bonjour, c'est toujours ainsi le bordel. Ouais, je viens de me faire traiter de grosse pute par une IA quoi. Par l'IA des taxis, c'est incroyable. Bon, on va aller se venger. Oh, c'est un raid expéditif ça. Ou que c'était expéditif. Ils ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrive. Parfait. Il y a un clip qui a tourné sur Twitter par rapport à cette scène. Certains ont glitché sous la map. Sérieux? Oh what the fuck. Ah non mais une mission, j'ai cherché pendant 8 ans à retrouver l'usage de ma caisse. Enfin je retrouve ma bagnole parce qu'on m'a bien expliqué comment fallait faire pour rejoindre le parking de ces morts avec 3 ascenseurs différents. Tout ça pour me faire rentrer dedans par un putain de taxi. Et me faire traiter de grosse pute par l'IA qui conduit le taxi quoi. Non mais... C'est quand même incroyable. Ah non mais meilleure scène du jeu ça. Ah c'est insulte gratos quoi de la part de l'IA du taxi, j'étais pas prêt. Hein. Excellent. Tu étais un homme, ça aurait été une fille de muse, d'accord. Ah ouais non mais sympa quoi. Ah les mecs, pas mal au cul quoi.
Ah, faut y aller à pattes. Ah ouais, d'accord, je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour. La vengeance qui se manchoute, je crois, vu le scalp d'enfoiré. Ah oui, non, mais le mec, j'arrivais en face, pif paf pouf, plus personne, quoi. Trois coups de scalp et on en parle plus. Hein. Le futur, c'est pas simple quand même les IA s'y mettent. Ah ouais, non, mais. Même les IA commencent à jouer les hooligans au milieu des parkings, là. Ça commence à être compliqué, là. Oh non, mais. Et le taxi au KLM. Alors, du coup, maintenant, bah, je suis obligé de me rendre au QG de la Maine pour qu'on puisse commencer à discuter compensation. Parce que, du coup, vu qu'ils m'ont niqué ma caisse, et ben voilà, on va discuter des dommages. What? C'est qui ça? Allô? Oui, ça fait un bail. Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes pour Sandra Dorset. Vous vous êtes bien débrouillé. Ton ami et toi. À plus tard. Mais Sandra Dorset, c'est la meuf qu'on a récupérée dans la baignoire au tout début. C'est le tuto. On connaît ça, c'était la phase tuto. D'accord. J'en ai rien à foutre. Moi, on m'attend pour. Salut V, j'ai une Makigai Mai Mai à vendre. Son nom fait penser à un cocktail de fruits, elle est un peu petite, mais tu pourras te caler parfaitement dedans avec tes armes et tes courses. Putain, vivement que j'arrive au QG de la main pour. Oh non. C'est devenu mexicain le quartier maintenant? La voiture rose, meilleur délire. Parfait, c'est ça qu'il me faut. Voilà, pif paf pouf. Hop, j'ai bousculé personne. Donc l'autre, elle a cru que j'allais acheter son pot de yaourt, quoi. Genre, je me suis fait chier à dérouiller des membres de gang, à mettre 75 000 balles de côté, tout ça pour m'acheter un pot de yaourt. C'est non. Moi, c'est ça que je veux. Ah, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-ci. Mais celle que j'ai repérée, elle avait une forme similaire. On aurait dit une vieille bagnole américaine des années 70, mais retravaillée source 2077. Ah, passe des bons moments. Hein. Ah, ici. Hein? Ah oui, une passerelle, pardon, j'ai pas vu. Barrez-vous. Pif, paf, bouf. N'empêche, c'est chicot ce quartier là. Dino Dinovic, qu'est-ce que c'est que ça encore? Tu me connais pas encore, mais ça va pas. Mais tu es déjà mort. Ah non. Dino, je m'occupe du centre-ville. D'accord. Ouais, j'ai entendu parler de toi. T'es une star. Appelle-moi en cas de besoin. Et oublie pas, Dino connaît tout le monde. Non? Ouais, tu peux passer au club. Merde! Je veux juste aller me faire rembourser ma caisse! Arrêtez vos conneries. Ça suffit, hein. T'as besoin d'un verre bien tassé, je te conseille l'orgasme électrique. Ah. Y'a une Columbus d'occasion garée au marché qui attend un acheteur. Elle était un choum qui faisait passer de la cam dans toute la ville. Super, faudrait peut-être y suspendre un truc des odorisants ou autre. Moi ça me dérange pas trop les odeurs bizarres, mais chacun son truc. Et moi ce que tu décides. Que j'en ai rien à carrer, j'ai l'heure d'occasion, je me promène dans un corbillard. Je veux juste aller faire réparer ma bagnole. Putain, enfin déjà au moins me faire dépanner, enfin me faire dédommager de ma caisse. Putain, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que c'est un plan cul d'aller chez de la main, hein, que tout le monde cherche à m'en dissuader. What? Une Alvarado double essieu avant muche patin couffin quoi, d'accord. Oula oula. Essayez de pas se faire rentrer dedans par un pot de yaourt. Le même qu'on m'a proposé d'acheter tout à l'heure, ce serait ballot. Et putain, mais ils ont. Alors, t'es revenu? Déjà, t'es vraiment super bien renseigné. Oh, toujours. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Ça tombe bien, je vais chez Delamaine. Fermez-la maintenant. Mais putain!
la voiture de sport la plus répandue à Night City. Ça a l'air mignonnet, pourquoi pas. Ah non, mais on va leur faire cracher le pognon à de la main. Hein. Ah, de la main. Mon avocat va t'attacracher le cul. T'entends ce que je te dis? Il va te mettre en faillite. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les coordonnées de votre avocat? Va te faire foutre, t'as de circuit. Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Merci. Analyse des informations. Salut, Del. Bonjour, madame ou monsieur. Que puis-je faire pour vous? Elle était tout derrière. Oh, bah maintenant je suis devant. Ça te pose un problème? Non, ça fait rien. J'aime autant. Qu'est-ce qui te prend, Del? Tu me reconnais pas? Tu m'as envoyé un message. Tu me disais de passer pour l'accident. Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la mer. Hélas, mes capacités opérationnelles sont limitées. Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accident? Faut pas leur donner de numéro, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent. Qui ça? Les corpos, Choum. Fermez vos gueules. 77 11 11 01 096. Numéro de dossier d'accident. Confirmé. Il se termine par 96, ça désigne un ennemi public, une cible du gouvernement. Votre identité a été établie. Madame Hélène Bagels, quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro 77111101096? Prémieux, j'en ai chié de joie. Madame Hélène Bagels, quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro 77111? Ça me brise le cœur que ma caisse soit dans cet état, mais je préférerais parler au vrai de la main, si possible. V, toutes mes excuses si le réceptionniste vous a ennuyé. J'ai actuellement une crise à gérer, et je ne peux hélas pas m'occuper de tout. J'ai pris la liberté de transférer une indemnisation sur votre compte, pour compenser les dégâts causés. Toi, c'est du favoritisme. Pourrions-nous aller discuter ailleurs? C'est pas... Ok, allons parler. Parfait. Veuillez suivre le drone. Attends, il m'a versé seulement 3400 balles ? J'ai pleinement conscience que le service client est loin d'être satisfaisant en ce moment. Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation ? Non. Ce couloir relie l'atelier au bureau. Voici l'endroit où la magie opère. L'atelier est entièrement automatisé. J'envisage d'élargir mon offre en ajoutant des services de réparation. Taxi aérien. Ok. Salut Charlie. Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment. Je crois savoir pourquoi. J'essaie encore. L'origine des défaillances des véhicules de la mer. Mon hypothèse est qu'elles sont causées par un virus avancé. Je dois résoudre ce problème au plus vite. Cette brusque augmentation des accidents est coûteuse et fait à la compagnie une regrettable publicité. La salle de contrôle. Votre présence ici m'honore. Ce qui est assez étonnant. Tous ces voyants, c'est quoi? C'est de cela que je souhaitais vous parler. Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact. Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules. Ce sont les voyants rouges. Les drones de réparation peuvent pas s'en charger? Cette fois, je crains qu'une intervention humaine ne soit requise. Je sais que vous proposez un large choix de services et que vous êtes très discrète. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants. Non mais... Vraiment? Au secours! Ok. Je vais essayer de retrouver tes caisses. Vous m'envoyez ravi. Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position. Il vous suffira de les désactiver. Je pourrai alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage. Je vais voir ce que je peux faire. Les véhicules de la Main ont un niveau de sécurité hors du commun. N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage.
Ok. Nous la partie à faire la maintenance des véhicules de Delamain. Par contre, vous avez vu cet enfoiré? Mais honte. Il m'a versé 3400 balles. La plus petite voiture, la moins chère qu'on m'ait proposée, était à 13 000. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En particulier, la cheville en train de se faire une tunée que je vends. Qu'est-ce que c'est que what the fuck is that tas de merde? Salut hein, et chais pour info. Ouais, au revoir. Oh mais la voiture elle est encore à 1000 balles. Oh, j'ai eu marre. Je vais me faire tailler un short encore. Vas-y, y a pas un système de TP, faut aller où? Oh là là, faut aller avec du monde. Ah. Juste savoir combien il avance sa caisse. Apparemment ici ils ont l'air de bien s'amuser. On va pas les embêter. Hein. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu crois, bordel, ça m'a changé la quête. Non mais je veux la voiture. Je veux la quête de la bagnole. Oh la vache, tout ce qu'il y a à faire. C'est quoi hein? Columbus. C'était la caisse, c'était celle-là. Ah mais attends, il y a le prix. Ah il a vendu 17 000 balles. Oh. Y a pas la moto. Non. Je suis à pied. Non. C'est non. C'est non. Attendez, il va avoir 17 000 balles, sa charrette là. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir ça. 17 000 balles. Ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Oula. Agression en cours. Gangster. Oh! C'est sûrement une de mes groupies. Tiens! T'as qu'à groupie avec celui-là. Pourquoi je crame? Putain, je brûle! Au secours! Pourquoi je flambe? Allô? Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain, bordel de merde! J'ai rien compris, je me suis mis à flomber, mort. Qu'est-ce que... Pourquoi en fait? Il s'est passé quoi là? Allô? Il a les RHP lui. Oh Nick, tiens, mange. Tiens, j'en ai eu l'autre. Tenez, c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Hein. Putain. Oh, ce qu'il a fallu lui mettre, lui. Oh la vache. Comment ça fait qu'il est résistant comme ça, lui? Je peux pas blairer les chieurs de Scoff dans ton genre. Que va? Oh, c'est violet, et du légendaire. Ramasse le standard, pas la bibine. Composant d'amélioration épique et peu courant et mou. Qu'est-ce que c'était que ces conneries? Qu'est-ce qui se passe? C'est une manière pour le jeu de me dire que j'ai rien à faire ici? Que... Allez, pourquoi tu te caches? Je me cache pas, je suis là. Et tu veux que je t'égorge toi aussi? Oh là, oh là, oh là.
Oh là. Soigne-toi. Putain, fais chier. Oui. Ah. Je crois que j'ai interrompu la transmission. Attends. Ils font super mal ici, au secours. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai pris une bastos dans Lyon, j'ai perdu 80 HP. Allô? Bon, un coup. De l'eau véritable plate. Pourquoi impossible pour l'instant? Mais bon, un coup. Ah, Oudé. Visiblement, c'est pas le moment. Par contre, si cette pièce-là, je peux vous la braquer, j'aime autant vous dire que je vais pas me priver. Allô? Tiens, cadeau. Petit choupa choups. 52. M'oubliez pas, bande de connards. Il s'en bat les coups. 80 HP la bastos. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça fait mal ici. Oh là, ils font mal. Ils font mal. Non, c'est pas bien. Non, ils font mal. Ils font mal. Ils font mal. Oh non, 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 non. Hein? Quoi? Pourquoi? Niveau 24. Ah oui, d'accord, oui, confirmons la formation selon laquelle j'ai rien à foutre dans ce quartier. D'accord, bon, on va essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut, hein. Non, un fion. Ah oui, d'accord, c'est pas tout à fait le même genre de gaillard, là. Coucou. Tiens. Ah, choupa choups. Ah, voilà une autre. Une autre. Voilà, on va distribuer les dragées, hein. Voilà, cadeau. C'est quoi? C'est qui? Gangster? Oh, faites chier! Aïe! Aïe 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 aïe! Oh putain! Ah non, mais ils sont. Ils sont chauds ici! Un peu chaud! Ils sont un peu chaud les gars ici, quand même! Non, je peux pas avoir des trucs, j'ai plus d'armure! Oh la vache! Ah, mais 24! Oh là! Oh là! Attends, non! Oh là là. Et ce... Ah, non, pas du tout. Merde. Au secours. Confirmé. I am in the source. Nous confirmons. I am in the sauce. Vite. Leur péter la gueule. Non, ça, j'ai l'impression que... ça va être compliqué. Grenade. Qu'est-ce que j'ai? Grenade à fragmentation. 4 mètres de rayon d'explosion. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas des trucs un peu plus... voilà. Ah voilà. 565. Mais c'est là... Mais merde! Grenade de reconnaissance, c'est non. Grenade IEM, pendant 5 secondes. Ah! Grenade incendiaire! Pendant 4 secondes, génère une explosion de particules incendiaires, blablabla. Non mortel, c'est nul. Disparaît après 4 secondes, c'est nul. Je crois qu'on va continuer à les bourrer à la greu. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Niveau des soins, j'ai pas un truc plus vénère là? Oh la vache! Ah! Ah, j'ai des plans de fabrication pour fabriquer ce truc. Essaye de le pirater. Ah, bonne idée. Ah, pas possible. Ah, visiblement, le jeu il a dit non. Mais le problème c'est que là, si je commence à défourailler au milieu des civils, on va peut-être pas le faire. Je viens de lui faire 17 de dégâts critiques. ...28 de headshot. Seigneur, guide mon regard. Est-ce que ce serait pas le moment opportun de se barrer?
elle en vient à dessouder des grilles avec son truc. Alert news, les jeux gratos d'Epic, c'est potentiellement du fake. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je leur dis pardon, 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 désolé, en courant. Ouais, c'est ça. Oui, oh là là, oh là là, oh là là. Je lui fais sauter la caisse à la gueule. Non, pas du tout. Je suis pas énervé. Oh là là. Voilà la fragmentation, j'en ai encore deux. Qu'est-ce que... Quoi? Merde! Ich! Ich! Elle a chopé la pécole. Je fasse gaffe qu'il ne me contourne pas. Non, j'en ai une. Lul. Pense à te heal. Parce que là, ça pue là. Quel tour? Merde. Qui fait le tour? I am in the sauce. Non, c'est bon. Non, pas le peupon, à cette distance. Quoi? Hein? Allô? Merde. Je vais t'offrir à la Santa Muerte. La gueule. Je vous aurai quand même. Vol une voiture et battant. Ouais, t'inquiète. Ouais, je suis un petit peu persistant et un peu con sur les bords, moi. Ouais, je les aurai. Nul ce flingue, ça passe pas à travers les murs. Lol. Oula. Attends, est-ce que j'ai encore des grenades? Qu'est-ce que j'ai comme grenade? Grenade aveuglante. Vas-y, grenade incendiaire. Je brûle. Non, je brûle. Ah, les dégâts de feu, ils sont énervés. Hein. Oh là là, c'est un enfer. Oh non, il y en a qui vient de trouver. Non, pas du tout. Le vivent bien, moi beaucoup moins. Je
Oh non mais bordel, les munitions qui font toujours défaut. Oh puis ce heal vénère le mec hein. Mais merde! Je l'aurai un, je m'en fous, je l'aurai un. Je m'en fous. Ça me casse. Voilà, moins un. Vous avez dit que je l'aurais. Oh, ils sont deux! Non! Un seul, je peux gérer, mais pas deux! Toi, t'es morte! Un crâne en masse para mi collection, culera! Ouais. 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 Oh, c'est bon, on a bien lolé, hein. Ça va, on a bien rigolé maintenant, il est temps de. Hein, je me tire. C'était rigolo, hein? Pas du tout. Des champs comme la pluie. Bon, ce quartier-là, on sait qu'il faut pas embrouiller les gangs. On le saura. Hein. Prends une putain de caisse de merde! C'est bon. Merci. J'ai adoré. Ah oui, non, pas moi du tout. Oh, quelle épreuve! Olé! Ça passe! Merde! Merci! Oh, le frein à main pour sauvegarder le piéton! Ah! Bon, fous pas ma caisse. Ça va dire. On aura peut-être enfin une vraie bagnole. Enfin. Par contre, niveau mun et heal, ça va être tendu. Qu'est-ce que... Ah, des os. Je veux vivre. Non, pardon. T'as qu'à les plaindre à de la main. Alors, on va éviter de tailler un scalp à un piéton, ou même à un condé, voilà, on va rester raisonnable, hein, sur la manière d'aborder le truc. Ça peut pas être sérieux. Ça peut pas être sérieux. Mais il vend combien de caisses lui? Mais ça suffit oui un jour? Et ça, c'est à vendre? Verrouillé.
Alors, spoiler, c'est mort. C'est juste mort. Oh putain, on était censé continuer à jouer au jeu, pas chercher une bagnole. Oh là là, j'en ai marre d'être à pied. Ma bagnole qui est complètement flinguée. Oh, je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est que ça? 37 000 balles, c'est... Bah bien sûr, 62 000, toujours plus, 17 000. Bah voilà, bah pourquoi j'ai pas celle-ci? Et où la bagnole à 17 000? Juste à côté, bon d'accord. Non, je veux pas acheter cette merde. Oh, c'est mort. Oula, oula. Bam, 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 bam. Ah. Puis ce truc, c'est suspension de, c'est suspension paquebot quoi. Le mal de mer garanti quoi. Le gerbotron, la gerboise à chaque fois qu'on monte dedans quoi. Ah merci. Vous êtes trouvé à l'endroit précis où j'ai perdu le contact avec l'un des véhicules. Ok, je vais le chercher. Hein? M'en fous. Plus tard. Plus tard le taxi là. Prends 1400 balles pour me dédommager ma bagnole. Et en plus de ça, faudrait que je lui cherche les siennes. Que dalle, ouais. Tu vas attendre pépère. Hein. Là ça se passe. Lâche-moi l'ami. Mais c'est toi qui me rentre dedans. Force du signal. Quoi? Tut tut, grosse pute. Hey. Ah, oh, il m'a semé. Mais... Mais comment ça, tut tut, grosse pute? Mais ça suffit. Ça suffit. Il m'a semé, mais comment ça, il m'a semé? Mais on a même pas engagé une poursuite, qu'est-ce qu'il me bave? Qu'est-ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Va la scanner peut-être, non? Allô? La voiture la plus lourde jamais homologuée pour la route. Elle est responsable d'un quart des collisions avec les piétons. Je crois que ça va être le titre de la VOD. Tut tut grosse pu étoile TE. Voilà. Bon, 17 000 balles, j'ai quoi en cash? J'ai 79 000. Sachant que je dois avoir des trucs à revendre, j'imagine. Ah, tout ce que je peux pas. Tout ce que je peux pas m'équiper, notamment, voilà, tout ça là. Oh putain. Niveau Rocky 24. Je suis niveau combien? 14. Voilà. Les mecs avec 10 levels de plus que moi, ils m'ont mis la misère. Qu'on se le dise. Je trouve que ça va être une baignoire. Hey! On peut discuter? Je n'y retournerai pas. Tu m'entends? Oh, mais... Jamais! Mais qu'est-ce qui se passe? Ce pays est possédé? J'achète. Donne-moi cette voiture. Oh, ce paquebot. Ah, puis en plus, ça fait bien 3... Voilà, il est où le taxi de ses morts, là, qui se fout de ma gueule depuis tout à l'heure, là? Il est où? Mais elle est amochée, en plus. Ah non. Elle est là. Je n'y retournerai pas. Tu m'entends? Jamais. Si tu essaies de m'emmener, je t'écrase. On va voir qui écrase qui. Endommager la voiture des amis de la main pour la désactiver. Endommager la... Reste ici, connard! Mais je l'ai endommagé sa bagnole! Alors?
j'ai compris. Et si, toutefois, me venait l'idée saugrenue, admettons, comme ça, par saut d'humeur, de te crever des gommes. Oh oh. Oh là là. Mais je l'ai endommagé sa caisse de mort. Mais c'est qu'il essaie vraiment de me tailler un scalp en fait, enfoiré. Monte dans la bagnole. Ah mais d'accord, ah c'est comme ça. Pardon, excusez-moi. Il va m'emmerder longtemps encore ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais le taxi, il est possédé ! Au secours ! Oh, des os ! Oh non, c'est pas du tout... Mandat d'arrêt, merde ! Ah mais le taxi possédé, mandat d'arrêt, mais foutez-moi la paix, mais qu'est-ce que c'est que cette ville de fou ? Au secours ! Ah c'est bon, je vois, c'est des flics, hein, c'est pas GTA. Hein. Oh là là, s'il me charge à pleine balle. Attends, je sais comment je vais faire, je vais le baiser. Hop, descends. Descends de ta caisse. Oh, mais tu vas te détendre, dis, connard. Arrête. Ah, attends, on peut peut-être le désactiver. Incarnation même de la violence au volant. Mais on peut pas la désactiver, cette caisse de mort. Arrête. Ma bagnole toute neuve, c'est de connard. Titi, grosse pute. Parfait. J'ai rétabli la connexion au véhicule. Merci. Je vous ai viré une partie de votre argent. Quoi? Mais ils sont tous devenus fous? Qu'est-ce que c'est que cette mission à la con? Monter dans ma caisse? Sans que ça fasse péter le taxi? Ma caisse toute neuve? Oh merde! Oh, je suis Diablo! Je peux pas sortir. Ah si. Oh là là, attention, glitch de texture incoming. C'est bien posé. Attendez, parce que il disait qu'il avait perdu le contact avec combien de taxis? Comme ça? Parce que s'ils sont tous dans le même gabarit de celui-là, ah ça va être mignon. C'est déjà la meilleure mission du jeu. À me faire insulter de grosse pute en permanence. Sympatoche. Alors, attention, je tente. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà, parfait. Cette fonction incroyable qui a pu décoincer ma bagnole. Nickel. Génial. T'es des taxis tout mignons quand tu arrives, miou miou. Non mais. Je sais pas dans quel genre de trip ils sont partis les taxis locaux là, mais oh putain, c'est du costaud. Ah, c'est de la dure. Ah la vache. Attends, il y a une boutique de fringues. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour finir cette VOD que de... Ah. Robert Wilson. Salut V, tu me reçois? 5 sur 5, pas besoin de crier. Quoi neuf? J'organise un petit concours de tir, avec des prix et tout ça. Je fais ça ici. Stand de tir, quoi. Mhm. J'avais compris. Alors, ça te dit? Ouais, grave. C'est quand? Eh bah, maintenant. On t'attend. À toutes. Ah bah super. Ah mais toujours en anticipation, c'est bien.
Vous êtes adorables, les gars. Et attention. Ah, c'est en dessous. Ah. Est-ce que vous sentez que ça ne peut que mal finir? Putain, c'est quoi des mecs là qui ont pas l'air marrants là? Soutien, traumatisme. Ah oui, ils ont pas l'air drôles. Ah, oh, faites pas chier là, les spammers là. Coucou, paf. Elle est où la boutique? Ah, il y a la boutique. Ah, pimper le perso. Vous devriez perdre du poids. J'ai vraiment un choix de dialogue comme ça. D'accord. J'aime bien votre style. Je vais prendre un truc. Comment ça, un truc? Y a pas de truc ici, que des fringues de folie. Allez-y, essayez quelque chose. Oula. Oula la 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 la. Oui, y a des trucs là. Oui, oui, d'accord. Le chapeau légendaire. C'est la bonne boutique. Attendez, je vais vendre des trucs. Niveau 24, je pense qu'on a le temps d'y songer. Hein. J'ai des trash? Oui. Parfait. Voilà. Je vide les poubelles d'abord. M'excusera. Du coup, je me suis considérablement allégé. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais à 108, je suis redescendu à 95. Je me suis débarrassé de 13 kilos de grenades. Ok. J'ai porté donc autant de grenades sur moi. Très bien. Tiens, une petite bibine là. Hop là, c'est cadeau. Fait plaisir. Du coup, j'ai combien en fric? 64 000. D'accord. Alors, tiens, je te refile ça, j'en veux pas. Tiens, ça et ça. Voilà, on va se faire du blé. On va se faire un petit peu de blé, hein. Voilà, c'est ok. Ah, le même pot. Elle est jolie, celui-là. On va le garder. Ok, ok. Et ça, c'est mon set d'armes. Ok. Au revoir. Non, mais non, mais on revient. Merde. Non, mais... Yuffie. Alors, bonjour. Hein? Non, mais... Yuffie, oui. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est nul. Nickel avec un Panzer. Il fournit avec? Pour une esthétique plus percutante. Oui, mais d'accord, mais y a pas d'emplacement de mode de fringue sur vos trucs nuls. Moi, je veux bien, mais c'est chiant. Trench à poids à doublure anti-perforante. Niveau requis 15. Merde, je suis 14,5, bien sûr. Veste corpo synthétique. C'est d'accord. Je vous dis une bonne journée et bonne journée. Je repars sur mon stream sur Cyberpunk Easter Egg. Ça marche, X. Bon courage, bonne journée et une prochaine. Veste et le costume avec incrustation composite. 64 d'armure, mon dieu. Bustier, baraque, qui. Voilà. Très bien. Augmenter la charge limite de 5. Ah oui, non, mais le mien est mieux. Ah oui, attends, faut pas que je fasse l'idiot. Ah oui, non, attends. Ah oui, oui, d'accord, oui. Voilà, là, on est sur d'autres parties. Non, ça, c'est nul. Oh, t'as rien de bien terrible, en fait, j'ai l'impression. Allez, Falzar. Ah. Ah. On a nos tissus renforcés 28.2. Coûte combien? 277. À 29.2. Oh la vache. Ouais, par contre, le style. Au secours. Oh, 30.8. Incroyable. T'as bébé, le mini short. Il a plus d'armure que le Falzar. C'est incroyable. D'accord. Ah, des chaussures. Ah, il y a un mode de vêtements dessus. 30.6. Des chaussures de bureau renforcées à semelle compensée. Pour 1200 balles. D'accord. Combien d'armure on a dit? 30.6. Oh, 32. Ah, mais niveau requis 15. Oh. 30.7. Des Santiago. Excellent. Ah, oui, d'accord. Mais oui, il y a toute une gamme de Santiago et tout et tout. Ah, oui, d'accord. Ouais, ouais, ok. Excellent. Excellent. Bon, très bien. Ok, je prends l'info. Je prends l'info et je vais également prendre pendant qu'on est là. Ah mais il va me dire là pour le coup, il va me dire que je peux aller me faire voir là. Non mais pas ça, je la map. Parce que j'ai cru voir que juste en face, voilà. Voilà, 40 mètres. J'ai tellement failli me prendre le drone dans le pif. Salut. C'est ce coupe mulet incroyable. Qu'est-ce que vous me voulez? Bah tire un coup, hein. J'ai besoin d'équipement. On a plein de choix, mais perso, je recommande toujours le matériel Militech. Ouais, on a dit pas de backseat. Alors, qu'est-ce que...
Réputation ? Comment ça, réputation ? Hein ? Attends, pourquoi je peux pas l'acheter, celui-là ? Cinétique. Qu'est-ce qui pose ce problème ? Choisissez la fiabilité, choisissez Midnight Arms. Oui, je m'en fous. Pourquoi il est rouge ? Là, c'est quoi ? C'est... Ah oui, c'est une question de pognon, là. Ah, il est 68 000 balles ! Oh la vache ! J'avais pas vu. Fusil à double canon cinétique. De Dieu. Ah, des grenades. Des grenades IUM. Épique. Oh. Ah, ils font des composants. Ah, c'est pas donné. Non. Ah, quand même. Pas donné. Hein. Oh. Ouais. Supprime le recul vertical lorsque vous visez. Mais c'est excellent, ça. D'accord. Ok. Il a l'air de se passer des trucs bien par ici, là. 250 balles des composants épiques. Sachant que j'en ai besoin pour pouvoir crafter, continuer à crafter mes armes. C'était pourquoi ? C'était pour améliorer le katana, je crois. Ah non, pas du tout. C'est pourquoi j'avais besoin de composants épiques ? Pourquoi j'en avais besoin ? Pas besoin ? Ah non ! Je sais ! C'était pour crafter les katanas épiques. Ouais, il m'en faut 45. Alors, à 250 balles, le composant x 45. C'est non. Peut-être juste se contenter d'améliorer le katana. Oui, ça lui donnerait déjà un joli boost. Il me manque... Ouais, il manque pas grand-chose, en plus. Il manque 6 composants rares. Oh, tu vends bien ça, toi. Dis-moi que tu vends ça. Oui, c'est cela. J'ai plus. Mais c'est pas les câbles, c'est cela. 150 balles, oh la vache. Confirmé. Merci. Hop. Inventaire. Fabrication. Amélioration. Katana. Amélioré. Maintenant, il en faut 32 pour le niveau suivant. Ça m'amène à 368 de DPS. Augmente les chances d'infliger un coup critique de 12%. Très bien, on a perdu Guy. Ah bah là, attendez, là. Là, on parle de pimper mon perso et de crafter du stuff. Attention, là, c'est foire à la saucisse. Hein. C'est garanti. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à moi, ça ? On va le revendre. Tout le reste après, je vais pas le démonter. Non. Pas du tout. 32. Bon. C'est d'accord. On y va. Hein. Ah non, mais on y va là. Hein. Là, clairement, on est dedans. Hein. Bloqué. Composant insuffisant. Ah oui, après ça... Ouais, par contre, on franchit les 400 DPS ensuite. Oui, ça commence à être très sympathique, là. Là, on va avoir un katana qui va commencer à mettre des scalpes assez vénères. Ça, c'est cool. Malicorne noire, elle va être trop bien, après. On va fermer ces composants-là. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on était censé faire ? Ah, il fallait aller au stand de tir. Non, il fallait trouver une voiture. Non, il fallait suivre le... Je sais plus. YouTube, on a fini pour aujourd'hui. Parce que là, ça devient n'importe quoi. C'est, j'ai déjà trouvé... On s'est fait traiter de grosse pute tout le long de cette VOD. D'ailleurs, je pense que le bot va moyennement kiffer la blague. On vous fait des bisous, YouTube. On vous dit à très vite pour la suite. Avec toujours plus de taxis... Waouh. Au revoir.